On a passé par l'épreuve, et puis il n'y avait pas longtemps que j'étais reconnu prédicateur. Et puis, on a passé par le deuil. Et je ne vous cache pas que c'était dur, très dur. On est arrivé à Mulhouse avec les campings, ça faisait quelques jours que ça va arriver. Et puis le diable, il ne nous fait pas de cadeaux. Et puis à un moment donné, il est rentré dans mes pensées. Et puis il me parlait, ce qu'il disait, il avait raison. Il disait, il va être beau le foyer du serviteur. Les gens, plus jamais, viendront vers toi. Chez toi, à partir d'aujourd'hui, c'est le deuil. C'est les pleurs. C'est les ténèbres. Et je vivais avec ça. Pendant quelques jours, j'ai vécu avec ça. Et puis on a été au culte, on était à Mulhouse, là-bas à Rixheim. Et puis je suis sorti du culte, mais c'était lourd le jour-là. Ici, là, c'était serré. Je ne pouvais plus boire une goutte d'eau. Je suis sorti du culte, Fidji, elle avait fait à manger, je me suis mis à table. Et puis, quand je me suis mis à table, je dis, Fidji, je ne peux pas manger, il faut que je m'en aille. Elle dit, tu vas où? Il faut que je crie à Dieu. Il faut que je crie à Dieu, il faut que je parle à Dieu, je dis, je ne peux pas. Et puis je suis parti. J'ai pris ma Bible. Il y en a plein qui la connaissent, cette expérience-là. J'ai pris ma Bible et je suis parti dans un bois, à Mulhouse, dans une forêt, tout seul. J'ai parlé à Dieu. Et puis je lisais ma Bible. Je parlais à Dieu, je lisais ma Bible. Je parlais à Dieu, je lisais ma Bible. Et à un moment donné, je suis tombé sur les passages quand Abraham, quand Dieu agissait dans la vie d'Abraham, il donnait un nom au lieu où Dieu lui avait parlé. Et puis moi, je parle à Dieu dans ce que je suis en train de lire. Je dis, Seigneur, si tu me bénis aujourd'hui, j'étais au milieu d'une forêt, mettez-vous dans le contexte. Je dis, ben, si tu me bénis aujourd'hui, j'appellerai cet endroit, l'Éternel m'a béni. C'est une prière que je fais à Dieu. Mais quand je dis ça, Dieu l'écoute tout de suite. Et tous les pensées, tout le noir, tout le poids, tous les ténèbres, ils sortent de mon cœur, mais en une fraction de seconde. C'est parti de moi, et la joie, elle revient, l'allégresse, le Saint-Esprit, je suis visité par Dieu. Et puis je suis là devant Dieu, mais je suis tellement visité, je suis tout seul avec lui. Je sentais le baume de Dieu sur mon cœur. Et puis je demande quelque chose de plus à Dieu. Je dis, Seigneur, j'appelle ce lieu, l'Éternel m'a béni, mais je dis, maintenant, je veux appeler ce lieu, l'Éternel m'a parlé. J'avais besoin d'un mot de Dieu. Et je prie Dieu. Et d'un seul coup, au milieu de la forêt, là, il y a un monsieur qui arrive. Un homme de couleur, il a une cinquantaine d'années. Et il arrive vers moi d'un pas décidé. Au début, j'ai un peu peur. Mais quand il arrive auprès de moi, il me pointe du doigt comme ça, monsieur. Et il dit, j'ai quelque chose à te dire. Et puis d'un seul coup, il se met à côté de moi. C'était Dieu qui me parlait. Il dit, regarde le chemin sur lequel tu te trouves. Et puis j'ai regardé le petit sentier à mes pieds là. Il dit, non, lève la tête, regarde devant toi. Et j'ai regardé devant moi. Il dit, tu vois, sur le chemin, il y a des parties qui sont à l'ombre. Il dit, c'est les mauvais jours, ça. Tu ne peux pas les éviter, ils sont là. Mais il dit, regarde un petit peu plus loin, il y a du soleil. Il dit, ça, c'est les bons jours. Il dit, ils arrivent aussi, mais ce n'est pas le plus important, il dit. Le principal pour toi, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et puis d'un seul coup, j'ai compris, c'était Dieu qui m'avait parlé. Il fallait que je poursuive toujours. Je suis rentré chez moi transformé. J'ai expliqué l'expérience à ma femme, j'ai été béni. Et puis quelques jours plus tard, Starkey est venu me retrouver avec les campings pour m'encourager. Puis quand il est arrivé, j'ai dit, Starkey, il faut que je t'explique une expérience que j'ai vécue. Et puis il monte avec moi dans l'auto, puis on roule. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je prends la direction de cet endroit où l'Éternel m'a parlé, où l'Éternel m'a béni, et je lui ai expliqué l'expérience. Et en lui expliquant l'expérience, j'arrive à l'endroit précis. Et quand j'arrive à l'endroit précis, par terre, il y a une enveloppe qui est posée. Elle est fermée, l'enveloppe. On est deux. Et puis tout à coup, je prends l'enveloppe, je l'ouvre, et il y avait un mot dedans. Vous savez ce qui était écrit dedans?
n'oublie jamais que sur ce chemin, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras jamais de rien. Dans toutes les circonstances, il faut poursuivre. Et il faut avoir un seul et unique objectif. C'est le ciel, mes frères et sœurs. Alors que Dieu vous bénisse, je voulais vous partager cette expérience. Que Dieu vous fortifie. Il est avec nous. On manquera de rien. On peut manquer de vêtements, de matériel, de sous, c'est pas un souci. Mais on manquera pas de paix, de joie et d'espérance. C'est dans nos cœurs, le diable ne peut pas nous l'ôter. On est riche en Dieu. Que Dieu vous bénisse.